Hey, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gogo Dodo Dodo à la fois God of War Ragnarok. Voilà un petit Kratos, enfin un petit Kratos, façon de parler, qui fait une tête chelou là par contre. Hein. J'ai choisi cette tête là. Est-ce qu'il fait genre pour un bisou ou est-ce que c'est genre, ouh, le connerie, j'ai oublié de défermer le gaz. Enfin, un truc comme ça. Je pense, hein. Je suis pas sûr, mais bon. Donc, on y go. J'ai aussi une nouvelle armure depuis le dernier stream, si je dis pas de conneries. On a remis l'eau. Mimir, le masque d'Odin. Comment a-t-il découvert son existence? Il dit qu'une voix s'est adressée à lui un soir, l'implorant de trouver le masque et de prendre en main son destin. Personnellement, je pense que ce sont des foutaises. Odin s'est saoulé, il s'est mis en tête qu'un masque en bois résoudrait tous ses problèmes, et il a ratissé les royaumes jusqu'à trouver une babiole assez mystérieuse pour faire l'affaire. Ce masque ne vaut probablement rien. Oui, probablement. Ouais, on sait que c'est faux. On sait que... Oula. Je sais pas si il est possédé ou... Ou pas du tout, je crois qu'il est... Il y a une petite créature qui lui donne de l'énergie, je crois. Mince. Ah oui, non, ça sert à rien. Ça sert à... Ah putain. Je me fais victimiser d'un coup là. Merde, il est... Bah alors! Derrière toi, prends garde! Ouvre la Nokienne! C'est elle qui les rend si forts! Il arrête de bouger! C'est ça! Tais-toi! Derrière toi, prends garde! Allez, go, 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 go. Il y avait une... Non? Il y avait pas une pierre de résurrection... Pas de résurrection, mais de soin, là? Non, non! Derrière toi, prends garde! M'en fous, moi, je veux du soin! Il y a une pierre... Ah, là-bas. Non. Impossible. Attends. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Es-tu... Un père? Oui, alors tu dois comprendre, mon fils, ce jouet, c'était pour lui. Maintenant, il n'est plus. Ce jour, tant de chaos et de mort, j'étais paniqué. Je cherchais mon fils, je t'en prie, aide-moi à retrouver mon fils à Falkwanger. Oui, fils, fils, fils. N'est-ce pas? Quelle est la dernière chose que tu as vue, esprit? Il sait que dire que ça en fait, hein. Chaque mot c'est fils, 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 fils. Séparé comme mon fils. J'ai l'impression qu'il veut qu'on retrouve son fils, hein. Il me ramènera à lui. Ton histoire est courante, séparé d'un être cher. Nous devons le ramener à son fils. En effet. Vraiment? Je pensais que tu dirais quelque chose comme. Mais t'arrêtes, oui? Les morts est futile. Derrière toi, attention! Voilà. Allez! Au moins. Merde, je l'ai pas fait au moment, comme à chaque fois. Oui, j'esquive, hein, mais ok, on va dire que oui. Go!
Allez. Allez, go. Pas désolé. Plus qu'un. Plus qu'un an, zéro. Tu sais plus compter, Atreus, ou quoi? Donc attends, on va aller là-bas, mais on va d'abord... choper ce qu'il y a par terre. Là. Ah. Ok, donc on pourra se téléporter ici. Alors on peut remettre la journée. Enfin, le jour. Et il est où le dragon? D'être en haut. Ok. Rien de plus. Ah, j'ai cru que c'était un truc à récupérer là. Il se rebarre ou quoi là? Genre dès qu'on approche à chaque fois c'est chiant quoi. Ah bon, on peut pas y aller pour l'instant. On ne peut point y aller. C'est pas possible. En continuant par là, nous devrions atteindre le repère du dragon des airs. Oui. Je voulais m'assurer que tu sais. Il faut qu'on arrive à passer ces ronces. Les ronces. Attends. Ah, ça. Le truc c'est que je peux pas là. Non. Attends. Peut-être ici. Je teste. Ah, aucun. Est-ce que ça peut marcher comme ça? Ça touche. Non. Ah. Ah, mais j'ai pas vu, ça venait jusqu'en haut. Pardon. C'est dedans! Ah bordel quoi, c'est dingue! C'est dedans! Je mets même à l'extrémité, c'est bon quoi! C'est dingue! C'est hallucinant quand même, comme c'est mal foutu là, ce niveau gameplay là! Il y avait un ennemi. Attire les ennemis avant, faut voir. Pour la lance. Oh. Attire tous les ennemis avant de les projeter au loin dans une direction spécifique. Attention à l'ogre. Oh. Un ogre. Genre le rocher a déjà atterri et le choc est venu deux secondes après. N'importe quoi. Voilà.
Non ? J'ai rien compris là, c'est quoi ça ? Ça veut dire que... Je dois aller faire quoi ? Je comprends rien. Derrière toi ! Regarde ! Oui, ta gueule ! C'est bon, je sais. Ça, c'est un signe où on peut grimper ou je ne sais quoi, donc... Je sais pas ce que je dois faire. C'est bon. Aïe. Deux sur cinq. Ça, je comprends pas là, c'est... Ah non. C'est d'aller là, hein. Un chasseur vit ici. Il est imprudent. Pourquoi cela ? Nous sommes chez lui. Il est imprudent, nous sommes chez lui. Donc c'est... Nous sommes imprudents. Pas il est imprudent. Oh, au fait, oui. Pendant qu'Odin me faisait visiter Asgard, ses corbeaux nous ont emmenés à Svartalfheim. J'ai revu Durlin. Bizarrement, il essayait de faire son travail. On a fait semblant de ne pas se connaître. Enfin, je crois qu'il faisait semblant. En tout cas, Odin n'est apparemment pas au courant que Durlin nous a aidés à trouver Tyr. Okay. J'aime pas en fait que Kratos ne réponde pas par moment en fait. Alors que Atreus lui parle quoi, je sais pas. Il parle de quelqu'un qu'ils ont rencontré, tout ça. Surtout qu'il parle d'Odin, donc. Je pense. C'est un peu. Comment dire. Dommage qu'ils ne répondent pas. Atreus. Moi aussi, j'ai revu Durlin. Quand nous avons forgé la lance, Odin est apparu. Il tenait Durlin et le menaçait. Comme s'il savait que je le connaissais. Mais si Odin était au courant, alors pendant qu'on faisait semblant de pas se connaître, lui faisait semblant de nous croire. Wow, c'est vraiment un bon menteur. Je n'ai pas eu l'occasion de te le dire avant, mais j'ai aimé ton histoire sur le baron et les sorcières des Landes. Un jour il faudra que tu écrives toutes ces histoires, Mimir. Merci, petit. C'est en cours, mais ma mâchoire fatigue vite. C'est sûr, oui. C'est un peu compliqué d'écrire sans main. Ok, on peut aller là. Je vais d'abord aller là. Maintenant que j'y ai passé du temps, j'ai du mal à imaginer Magni et Maudit vivre à Asgard. Sif les a élevés tous deux, pas vrai? Elle a l'air d'être une bonne mère. Un peu trop protectrice, peut-être. Une bonne mère ? On ne parle pas de la même Sif. Dans la culture des Aves, où la débauche est une vertu, être un parangon de féminité oblige à manier les armes aussi bien que la chope. Qu'ils affrontent leurs ennemis avec brutalité ou élèvent leurs garçons sans plus de douceur, Sif et Thor n'ont que rarement connu la sobriété. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh, petit frère, tu n'as pas eu une enfance facile, je sais. Mais cela aurait pu être bien pire. Imagine apprendre la discipline en étant roué de coups encore et encore. C'était là la méthode de Thor, celle qu'il avait apprise d'Odin. Une sale vision de la virilité transmise de génération en génération. Un sinistre héritage qui n'a jamais bénéficié à personne. Eh bien, Sif ne boit plus. Thor non plus. S'il m'en restait, les bras m'en tomberaient. Pour lui, j'ai l'impression que c'est encore récent. Mais je sais qu'il aime sa fille. Ceci explique sans doute cela. Sif s'est calmé dans l'espoir qu'élever une bonne fille compense leurs erreurs passées.
Tora eut plus de mal, mais elle lui a lancé un ultimatum après qu'il a franchi certaines limites. Comme ce qu'il a fait à Maudit, la nuit où il nous a trouvés. Oh, c'est bien possible, mon garçon. Si cet ultimatum a fonctionné, alors tant mieux pour eux, sincèrement. Ok. Let's go. Si on continue d'avancer, l'ogre nous tombera dessus. Il vaut mieux qu'on s'y prépare. Oui. La sauvegardance. Je crois pas que j'ai de pierre à résurrection. Le truc, c'est que... Ah bah non, après je peux... Ouais, c'est un peu long aussi quand même. D'aller entre les mondes, tout ça, de prendre une pierre, revenir... C'est chiant. À l'attaque! Oui! Je recharge! Oh, ils sont deux en plus. Par contre, voilà. À ta droite! Ah! Un pour chaque, en fait. Trouve la Noken! C'est elle qui les rend plus forts! Il est sonné, père. Saisis-le. Allez, go. Allez, le deuxième. Chacun son tour. C'est bon. Vous l'avez eu? Et voilà. Oula. Il était à nous. Bon bah tant pis hein. C'était le nôtre, espèce de pourriture. Bon, moi ça me gêne pas trop. Son perchoir. On doit le suivre. Ouais, bah attends. Ah mais il y a un d'accord. Fils maintenant. Merci. J'ai hâte de revoir son visage. Je lui donnerai ce présent et lui parlerai des braves qui m'ont aidé. À toi de nous aider. Qu'as-tu vu ce jour-là? Je me rappelle être entré dans une halle à hydromel et y avoir vu Thor. Vous savez pourquoi il était là? La rumeur que le portait qu'il cherchait un avant-poste militaire. Je ne voulais pas avoir d'ennui, alors j'ai filé. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Peut-être d'autres en savent-ils plus. Ah. Quand il est passé, j'ai pas fait je gaffe. Je me demande si Thor avait rendez-vous dans cette halle à hydromel. Wow. Thor et Mère se seraient vus là-bas? Fay n'a jamais bu avec moi. Elle ne l'aurait pas fait avec lui. Il arrive qu'on ne connaisse pas très bien ceux que l'on aime, mon frère. Ok. Oh oh! T'as pas le droit d'esquiver, toi! Plus que. Non, attends. 9, pardon. Voilà, ça c'est fait. Donc là, il n'y a pas à y aller, il y a ici, mais. Je regarde quand même. Ça c'est fait. Et l'autre côté, ouais, ça sera que je pense. J'arriverai par le tunnel ou je sais pas quoi. Ah, c'est pour se soigner là. C'est peut se soigner, c'est peut se soigner. Ah, un cerf. Par contre, ouais, je crois que je peux toujours pas. Ah oui, il faut que j'aille voir l'autre. Si mes yeux ne me trompent pas, je crois qu'il s'agit du cerf de l'été. Il fait chaud ou c'est juste ma personnalité rayonnante? Non, c'est toi le cerf. Bon, on peut y aller. Ok.
fera ça. Alors attends. Il est où? Faut que je cherche la... Il entrave ça. Comme un espèce d'œuf. C'est donc ici que vous avez les traces. Ah, il était là. Voilà. Let's go. Voilà, donc je pense que c'est bon. Ah non, tiens, j'ai pas vu ça tout à l'heure. On l'a fait ça? Ouais, comme ça. Ah ouais, t'es. Attends, deux secondes. Enfin, deux secondes plus que deux secondes, mais. Oh! J'ai pas fait. Essayer de faire ça pour voir à quoi il ressemblait. Ah mais on est en dessous le truc, enfin en dessous du passage. Bon allez, on va utiliser le passage pour aller en fait dans l'autre monde, enfin aller chez Sindri pour pouvoir en fait parler avec l'autre. Je reviendrai ici. Attends. Mimir, si je rencontre une personne qui me plaît, comment savoir si elle... Enfin, si je lui plais aussi. Est-ce qu'il y a... quelqu'un? Je... Non. Simple curiosité. En fait, c'est sans importance. Pardon? Sans importance. Ah, il peut pas parler d'elle, sinon il va lui demander où tu l'as rencontré, des trucs comme ça. Ah bah tiens. Non? Ah non, je pensais. Ils sont revenus? Ah non. Donc là, je me disais, tiens, ils étaient revenus, mais non. Et le loup-garou qui était ici, là. Pas le lac des Neufs. Ici. Il y a une mission, là. Je pense que ça va entamer un peu une discussion sur la suite de l'histoire. Oui, j'ai fait des recherches dans la bibliothèque d'Odin et je sais ce pourquoi le Galahorn a été conçu. Si un dieu souffle dedans, il résonne à travers tous les royaumes et harmonise l'espace qui les sépare. Désolé, hein, Atreus, mais j'essaie de faire des photos. Sonner à côté du temple. Tu peux reprendre. Reviendrait à ouvrir toutes les tours des royaumes d'un seul coup. C'est d'une grande vulnérabilité. Pourquoi ne l'a-t-il pas simplement détruit? Certains artefacts ne peuvent être détruits. Bien. Du moins pas normalement.
Je parie que tu n'arriveras pas à toucher ces carillons avec ta hache. Allez, vas-y. Quelle chance! J'avais besoin de ton aide. Attends, je vais te donner déjà voilà ça. Il y en a qu'un. Celui-là a un fort caractère. Une chance que j'ai de l'expérience en la matière. Parle. L'arbre a, comment dire, trop poussé. Et s'il venait à trop pousser, les branches deviendraient trop lourdes et tomberaient. Ce qui n'est pas idéal quand on sait qu'elles portent les royaumes. Je ne suis pas jardinier. Tu m'en vois surpris. Non, je ne te demande pas d'élaguer cet arbre. Mais j'aimerais que tu retrouves les serres des quatre saisons. Ah. Ils broutent normalement les branches de l'arbre et l'entretiennent ainsi. Malheureusement, Amer a jugé qu'il serait amusant de se jouer d'arrogant pour qu'il les libère. Si tu croises les serres lors de tes voyages, ton aide pour les ramener serait grandement appréciée. J'enverrai bien l'un de mes écureuils spectraux, mais ils grignotent tout le fourrage que je leur donne. Certainement parce que je leur donne le meilleur des neuf royaumes. Mm-hmm. Nous avons vu les serres. Parfait. Alors il te faut du fourrage. Quand tu trouveras un cerf, le fourrage devrait le calmer. Ensuite, un de mes spectres le guidera jusqu'ici. Et ne mange pas ce fourrage, d'accord? Sans façon. Amer m'a demandé si j'étais trop poule mouillée pour les libérer. Seulement, comme tu peux le voir, je n'ai absolument rien d'une poule. Alors je n'ai pas eu le choix. Oui, bien sûr, tu n'avais pas le choix. Ouais. En temps normal, cette plaisanterie aurait été sans conséquence. Mais Fimbulwetter a empêché les cerfs de revenir. Et voilà maintenant longtemps qu'ils gambadent, on ne sait où. Je regrette rien. Alors, as-tu trouvé des lindworms? Nous avons fait connaissance avec une autre de tes émotions spectrales. Trop agitée pour se présenter, toutefois. Oh, ce devait être anxieux. Oh non, pourquoi parlez-vous de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, si tu avais entendu ce qu'il disait de toi, c'était violent. Comment? Oh non, non! Nous n'avons rien dit de tel. Tu devrais avoir honte, Amer. C'est vrai? Oui, anxieux. Mes paroles ne dissimulaient nul blâme. Ah! Je te présenter à nos aventures. D'accord, donc c'est eux que je vois des petits textes. Voilà. C'est lui. Revenez quand vous voulez. Ah! Le son des carillons est loin d'être indolore à cette distance. Veux-tu bien ne pas faire cela? Si je rentre, j'entame la suite de l'histoire, ce qui me gênerait pas, mais je ne peux point. Donc là, c'est tout un pareil. Vanaheim, j'ai dit. Par contre, je sais plus où j'étais. On va essayer là. Hein. Retour au cratère. Il nous reste beaucoup à faire là-bas. Birgir est toujours isolé en territoire hostile. Birgir n'est pas revenu? Ne traînons pas. Que reste-t-il? Des guerriers séistres hantent le cratère. Offrons-leur le repos. Et quoi d'autre? Je soupçonne fort que d'autres esprits ont été témoins de l'affrontement qui a dévasté leur foyer. Ça me va. Si j'ai bien compris, Vanaheim n'est pas aussi humide, normalement. Est-ce que c'est l'effet de Fimbulwetter ici? En grande partie, semble-t-il. Donc Midgard a eu la nuit et le froid, Svartalfheim les tremblements de terre, Alfheim les pulsations de la lumière, mais à Asgard, il ne semblait y avoir aucun effet perceptible. Odin a eu tout le temps de se préparer. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas remarqué de changement à Helheim et Muspelheim non plus. Les royaumes primordiaux semblent être moins touchés. Que penses-tu qu'il se passe à Jotunheim? Comment je le saurais? Eh bien, exerce tes capacités de supposition. Je ne sais pas. Si personne n'est là pour le voir, quelle importance? Alors, la nouvelle lance de Perf, c'était une bague avant? Dropnir, oui. Forgée par les frères Uldre pour l'offrir à Odin. Comment ça marche? De temps en temps, Dropnir crée des copies d'elle-même. Frères Uldre ont certainement pensé que si un anneau d'or était un bon présent, une infinité d'anneaux d'or leur vaudrait l'estime éternelle d'Odin.
Mais il se trompait. Complètement. Oh, pétrif. Ah, il m'en faut un de plus. Attends. Non. Je crois qu'il y avait autre chose. Qu'est-ce qu'il te faut? Attends, parle-moi. L'amour. Hein, quoi? La devinette. Plus on en retire, plus il grandit. L'amour. Je veux rien savoir de tes relations amoureuses tordues, Mimir. Mais ça n'a pas le moindre sens. Je suis d'accord. Qu'est-ce que... Oh, ce n'est pas deux empaffés comme vous qui vont m'apprendre le romantisme. Non. M'en retire. Mimir, comment fonctionnent les corbeaux d'Odin? Ils peuvent le transporter n'importe où? Oui, sauf dans le monde entre les royaumes, fort heureusement. Pourquoi? Grâce à des enchantements nains et à la nature même d'Yggdrasil, il est plus difficile à trouver. Oh, heureusement pour nous. Est-ce que je peux y aller là? Maintenant qu'il est plus là. Enfin, qu'ils sont plus là. Ah oui, je peux. En fait, je pouvais pas y aller tant que. Mais t'as vu que ce dragon a les écailles qui tremblent. Ah, d'accord. Bon, on y fera après, alors. On va s'occuper du dragon d'abord. Quand nous approcherons du dragon, ce sera lui ou nous. C'est compris? Oui, père. Genre, j'esquive, bordel. C'est si compliqué à comprendre. Mais bordel, j'arrive pas. Je suis trop esquive, je peux pas, je suis trop lent. Il est où le truc? Abritez-vous! Bah oui, mais... Il est où? Je le voyais pas, donc... Mais non! Quoi, Axia? Ta parole! Relâche-vous, espèce d'enflammé! N'importe quoi! J'étais couru d'avance, hein!
Mais non! Ça m'a sauvé le crâne! Et dites bonjour hein, si vous êtes dans le chat. Comme par hasard. Il me touche pas, mais il me touche. Allez! Il va me tuer hein. Ça commence à faire beaucoup de glace. L'enfoiré. Oh là là, j'ai failli mourir. J'étais à deux doigts. Pour sûr. Et cet ogre n'est pas prêt de se relever non plus. Je peux entendre les animaux. Ils sont soulagés. Peut-être qu'ils sortiront de leur cachette. C'est fini. Enfin. Je vais m'arrêter là parce que sinon après ça va faire trop long et le début va s'effacer. Donc likez la vidéo si ça vous a plu. Partagez avec vos amis. Je m'arrête pas là pour Twitch. Hein. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se donne donc rendez-vous dans un nouvel épisode. Ciao.